l'école de musique intercommunale du Limouxin et ce soir dans le village de Ladigne d'Aval. Depuis maintenant 6 ans, nous organisons des concerts dans les villages, tout d'abord pour rayonner sur la communauté des communes, mais également pour présenter tout le travail qui se fait dans l'école de musique. Voilà, donc vous pourrez écouter des élèves de l'éveil musical, des tout petits, jusqu'aux adultes également, et en passant par tous les âges, et tous les instruments, voilà, les pianistes, donc des ensembles de musique actuelle, l'ensemble de bois, et des petits duos et des trios. C'est avec une certaine nostalgie que je vous accueille aujourd'hui, l'école de musique. Pourquoi ? Il y a quelques années, 7-8 ans, à peu près, quand on a commencé l'intercommunalité, il est incombé la tâche de m'occuper de l'école de musique. On a essayé de voir ce que l'on pouvait faire pour l'améliorer. Et l'idée a jailli, tout simplement, d'amener l'école de musique dans les villages. Et à partir de ce moment-là, régulièrement, chaque année, on choisit 3-4 villages et on va faire un concert dans tous ces villages. En fait, ça nous a permis de nous faire connaître, de faire connaître l'école de musique, et ça a été quand même, disons, la vitrine de l'intercommunalité aujourd'hui.
And the